fait, on a tendance à procrastiner mes relations sociales un peu difficiles. Ça arrive pas qu'au développement, ça arrive à tout le monde, je vous rassure. J'ai tendance à procrastiner les codes reviews un peu difficiles, j'ai tendance à procrastiner ce super projet, vous savez, le projet de votre vie qui deviendrait peut-être un super produit, que ça fait 2 ans que vous le remettez. Listez là, prenez, on va prendre 5-10 secondes, listez ces sujets. C'est bon, vous les voyez. Maintenant, visualisez sur ces sujets, ces activités, ce qui se passerait en termes de, voilà, de satisfaction, de résultats en fin de journée, si tendance à procrastiner, bah, vous disparaissez totalement, si vous aviez le dessus sur la procrastination. Le truc a pour but de parler de ça. Ok, très vite, en 2 secondes, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai un profil technique, comme la plupart d'entre vous, et depuis quelques années, je suis plutôt du coaching méthodologique et je bosse en ce moment au sein de l'incubateur de start-up d'État, beta.gouv.fr. Je crois qu'il y a des gens qui vont m'en parler il y a quelques talks, il y a quelques semaines. Si vous voulez m'en parler, vous êtes les bienvenus. Ok, pourquoi on parle de procrastination? Qu'est-ce que ça veut dire procrastiner? Alors la définition qu'on donne les scientifiques, c'est de retarder une action tout en sachant que le fait de la retarder est sans doute... avoir des résultats qui sont pas les bons. Pourquoi on parle d'un talk sur la procrastination dans un contexte qui sont les human talks? Parce que je pense que ça nous concerne tous, en tout cas moi ça me concerne. Et je suppose que ça vous concerne aussi. On va avoir une approche un peu particulière. Je vais pas essayer de vous donner des conseils de grand-mère ou de vous répéter ce que vous entendez à la téloche ou à la radio. On va regarder ce que nous raconte la science sur la procrastination. C'est intéressant parce que c'est un sujet extrêmement étudié. Les universitaires font beaucoup de papiers scientifiques, de thèses, etc. et d'articles sur le sujet. Vous voyez, là j'ai 8600 résultats depuis 2015 de papiers scientifiques publiés sur le sujet. Donc on va creuser un peu, il y a des sources intéressantes sur ce sujet. Ok, très vite. Les effets de la procrastination selon la science, la nature, une petite équation de la procrastination pour nos geeks, ça peut être intéressant. On va parler du contrôle de soi et puis une petite checklist pour terminer. Les effets, bah écoutez, là il y a plein d'études qui ont été faites sur des étudiants, des universitaires qui montrent que la tendance à procrastiner vous rend malheureux, vous rend moins performant et vous rend en moins bonne santé. Ça c'est assez dingue aussi. Voilà, il y a des études qui ont été faites sur de longues durées avec des étudiants. On regardait ce que faisaient les étudiants qui rendaient tôt leurs devoirs, tard leurs devoirs, et ça verrait que les forts procrastinateurs étaient moins performants, plus malade et plus malheureux. Bon, donc on est tous persuadés maintenant, on a envie de vaincre enfin cette idée de procrastination. La nature, on se dit, alors, mais d'où ça vient cette foutue procrastination? Est-ce que c'est la peur de réussir, la peur de l'échec? Est-ce que c'est le fait de s'attaquer à des chantiers, des monstres plus gros que soi? Là aussi, la science est intéressante. Il y a un papier qui s'appelle, alors, non, je vous citais le nom, incroyable. Donc, c'est The Nature of Procrastination, Meta-Analytic Theoretical Review, Quintessential Self-Regulatory Failure. Bon, peu importe, ça veut dire que c'est une méta-analyse qui a étudié plus de 200 travaux scientifiques, donc des articles, des thèses, donc beaucoup de données, vous voyez, sur la procrastination, qui ont été condensées dans une analyse. Et qu'est-ce que nous dit cette analyse? Alors, est-ce qu'on procrastine parce qu'on est perfectionniste? En fait, non. Les gens qui sont super perfectionnistes, qui ont envie de faire bien, ne sont pas forcément ceux qui vont faire bien. Pareil, on ne procrastine pas parce qu'on est dépressif, on ne procrastine pas parce qu'on a peur de l'échec, on ne procrastine pas parce qu'on on est moins intelligent, il n'y a aucune corrélation entre la procrastination et le QI. Et bon, il n'y a aucune corrélation entre le QI et l'intelligence, vous le savez aussi. Par contre, les vraies raisons, bah, c'est assez bête et méchant, mais la méta-analyse dont on parle, là, elle l'a prouvé, on procrastine parce qu'on est mal organisé, parce qu'on est peu efficace, parce qu'on est facilement distrait, on va y revenir, et parce qu'on a un faible contrôle de soi. Donc ce sont des grands mots, on va revenir dessus. Ok, l'équation de la procrastination. Alors, donc c'est Pierre Steele, là, le mec qui a fait la super méga étude, qui a essayé de résumer un peu les facteurs de la procrastination. Donc la motivation, c'est-à-dire votre envie de faire là maintenant et pas demain, après-demain, dans 2 ans, ça va être les chances que vous vous donnez, fois la valeur de ce que vous voulez faire, divisé par l'impulsivité, donc ça c'est le manque de contrôle de soi, et le délai. Faisons un test. Ok, donc vous devez écrire pendant 1 semaine une note d'avancement, un truc un peu pénible, ou zoner sur Twitter.
Les chances, bon, elles sont assez fortes, hein. Vous avez de bonnes chances. La valeur, elle est proche de 0, donc en haut, c'est 0, d'accord. L'impulsivité, elle est super forte. Il y a une infinité de vidéos de chats sur Twitter ou sur Facebook. Et le délai, il est moyen. Mais donc, en total, vous voyez, on a 0 et un truc fort, donc la motivation, elle est nulle. À l'inverse, vous rapprochez de la deadline. Là, le délai, il devient proche de 0 et vous devenez très motivé, même si la valeur n'est pas très élevée. Et donc, votre motivation, vous voyez, à faire le truc va vraiment commencer. Autre exemple. Vous souhaitez sortir dans 2 mois le prototype du projet de votre vie. Les chances que vous donnez, votre estimation de chances de réussir ce truc, elles sont assez faibles en fait. Vous voyez, c'est dommage, mais là, vous donnez de mauvaises probabilités. La valeur, elle est super forte, mais au total, voilà, c'est pas très élevé en haut. Et pareil, les vidéos de chat, et surtout un délai très très important, parce que c'est un projet pendant 2 ans, font que votre motivation et votre tendance à pas procrastiner est assez faible au final. Ok, comment on peut lutter sur ces facteurs? En situation de procrastination, on va essayer de mettre ces facteurs de notre côté, vous voyez, pour augmenter la motivation. Allons-y. Alors, les chances, ça marche, vous savez, vous rappelez ce film avec Junio, là, devant sa glace? T'es un killer, Berthier. La persuasion verbale, bon, c'est le type de grand-mère, mais ça marche. Les émotions positives, l'admiration de ses compétences, c'est très con, mais vous formez petit à petit, ça va renforcer votre expectancy, les chances que vous donnez à réussir. Et les accomplissements réels, c'est-à-dire avoir un bagage derrière vous de choses qui ont marché, ça va aussi renforcer ce facteur. Ok. La valeur, c'est quand c'est quelque chose d'assez pénible, genre la note d'avancement dont on a parlé tout à l'heure, la valeur est faible, vous pouvez augmenter la difficulté. Vous voyez, vous mettre un peu de challenge, ça peut augmenter la valeur à vos yeux. Donc chercher à faire le truc plus vite, chercher à faire différemment, vous rajoutez des contraintes en fait. Vous pouvez joindre l'utile à l'agréable, vous pouvez essayer de vous remémorer finalement pourquoi je fais ce truc-là, j'ai un peu perdu la valeur de vue, et essayer d'augmenter le facteur valeur. L'impulsivité, on va revenir, vous pouvez contrôler les stimuli de l'environnement, donc éteindre les foutues notifications, éteindre votre boîte mail, vous connaissez ça avec moi. Et vous pouvez aussi supprimer la possibilité de choisir en automatisant les bons comportements, les routines, les rituels, tout ce qui vous permet de ne pas décider en fait et de ne pas rester soumis à votre impulsivité. Le délai, c'est très bête, vous pouvez découper en fait, et plutôt que ce projet dans 2 ans, vous pouvez vous donner un jalon à dans un mois, à dans un jour, à dans une heure. Et là, vous voyez, vous avez diminué extrêmement le délai et donc augmenté la motivation. On reparle du contrôle de soi, super vite. Donc une autre étude avec un nom très compliqué en anglais, Self-Regulation and Depletion of Limited Resources versus Self-Control Ressemble Muscle, avec mon super accent. Donc là, les chercheurs ont étudié le contrôle de soi et ont fait une analogie avec le fonctionnement d'un muscle. Et en fait, le contrôle de soi, comme un muscle, ça s'use quand on s'en sert. Et ça se fatigue. Et ça se fatigue dans tous les domaines. C'est-à-dire que si vous l'usez dans la journée, vous en aurez moins le soir. Si vous l'usez parce que le matin, je sais pas, vous êtes engueulé avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, vous en aurez moins dans la journée. Vous vous rappelez l'impulsivité, hein, c'est l'inverse du contrôle de soi. Donc sachez que vous l'usez en permanence. Vous avez une ressource finie de contrôle de soi et que vous l'usez en permanence. Il me reste peu de temps, donc je ne vous parle pas des études, mais il y a des études très rigolotes qui montrent ça. Et ça peut se développer, comme un muscle. L'analogie, elle tient encore. Vous pouvez développer votre contrôle de soi. Et là, c'est intéressant aussi d'un domaine dans un autre. Donc, je sais pas, vous faites du macramé, du tricot, ou des échecs, peu importe. C'est une discipline qui va vous pousser à développer votre contrôle de soi. Eh bien, vous allez muscler en quelque sorte votre contrôle de soi. Et ce sera réutilisable dans d'autres domaines, notamment pour diminuer la procrastination. Ok. La checklist, on finit. Identifiez les activités et les situations qui vous font procrastiner, on a fait l'exercice tout à l'heure, refaites-le. Évitez les mauvaises excuses, donc on a vu tout à l'heure ce qui n'était pas des vraies raisons de la procrastination, en tout cas selon la méta-étude de 200 travaux. C'est pas parce que vous ne savez pas faire, c'est pas parce que vous êtes perfectionniste, c'est pas parce que vous avez peur de l'échec, ce sont probablement les autres raisons, donc évitez ces fausses excuses. Modifiez les facteurs de l'équation à votre profit, donc vous vous rappelez, augmentez les chances que vous donnez, augmenter la valeur, diminuer l'impulsivité, on a parlé du contrôle de soi tout à l'heure, et diminuer le délai en vous donnant des objectifs intermédiaires. Ça, c'est des choses qui vont vous aider à vaincre la procrastination. Puisez la bonne essence dans vos réserves de contrôle de soi, elles ne sont pas infinies.
Et puis développez-le, quoi, je sais pas, faites des pompes, du macramé, des échecs, des séances de code qui durent plus longtemps, c'est des choses plus compliquées, ça c'est des choses qui vont muscler votre contrôle de soi et vous permettre de moins procrastiner. J'ai fini, j'ai 6 secondes de retard. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne suis pas sûr d'avoir compris expectancy. Expectancy, c'est des chances, je ne sais pas si tu te rappelles, les probas au lycée, là, c'est les, la proba que tu te donnes de réussir. C'est les chances que tu te donnes de réussir. C'est bien. Non, c'est les la probabilité. Non, c'est vraiment la probabilité. Le gain, c'est plutôt value, je pense. Donc, c'est les chances que tu te donnes de réussir. Donc, tu as un projet super compliqué, tu sais, où la note a 2 balles pour dans une semaine. Quelles sont les chances que tu te donnes de réussir? Sur le projet super compliqué, elles ne sont pas très élevées. Sur la note à 2 balles, bah, tu sais que tu vas y arriver. Quoi. Donc, expectancy, j'ai peu confiance d'y arriver. Et là, tu te rappelles, pour augmenter ce facteur-là, c'est se faire des faits d'armes et des faits de guerre, en fait, faire des petites choses qui te donnent confiance pour faire des choses un peu plus grosses. C'est se former. C'est de se dire dans la glace comme nous, t'es un killer Berthier. Voilà. Donc tout ce qui perd de l'échec, c'est un manque de confiance en soi, en fait. Ouais. Moi, comme activité, je ne suis pas du macramé, je joue aux jeux vidéo. donc, du coup, je joue en ligne. Donc je pense que ça augmente mon contrôle de soi, mais en même temps, bah, parfois je vais réagir un peu. Est-ce que c'est une bonne activité pour travailler? Ça dépend, tu vas passer un moment, peut-être que tu en as moins besoin, tu as moins besoin de le muscler. Donc le contrôle de soi, c'est ce qui, pareil dans le genre définition, c'est ce qui empêche que tu tombes dans un comportement réflexe et par défaut. Donc si tu en jouant aux jeux vidéo, tu es dans un comportement réflexe par défaut, t'as une idée parce que c'est, tu n'exerces pas en fait. Peut-être le contrôle de soi serait de t'empêcher de jouer aux jeux vidéo, tu vois, peut-être ça te ferait plus puiser dedans, j'en sais rien. On joue à des jeux, t'aimes pas. Non, mais pas chercher des trucs débiles en plus, tu vois. Donc le contrôle de soi, ce serait pas regarder les notifications Twitter toutes les 30 secondes. Je vais pas mettre mon téléphone comme ça, vas-y, je t'en regarde pas, c'est un truc pas très sain, quoi. Il y a sans doute d'autres façons de l'exercer, de développer, en même temps plus enrichissant. Donc je vais pas t'empêcher de jouer au jeu vidéo. J'en profite. Moi, de la même manière, j'ai essayé de ranger les applis qui font un peu de bruit, mail, LinkedIn, Facebook, tout ça, dans un dossier, dans la deuxième page de mon téléphone. Est-ce que tu... Enfin, j'ai vu ça. Est-ce que toi, tu as des astuces très concrètes qu'on peut activer? Ça, c'est une super idée. Donc là, tu es dans la catégorie contrôler les stimuli de l'environnement. Donc tu vas pas cuisiner dans ton contrôle de soi, mais du coup, ton impulsivité, tu sais, elle va diminuer, quoi. Donc c'est toujours la même chose, c'est empêcher d'être perturbé. Donc c'est planquer les applis, c'est éteindre les notifications diverses et variées, c'est vous planquer dans une salle au fond de votre étage si vous avez des bureaux très bruyants. Aujourd'hui, la plupart des sollicitations, elles sont des sollicitations numériques, mais en fait, quand on étudie les interruptions, allez sur le blog, il y a le temps de contenu.fr, quand on étudie les interruptions, il s'avère que 50% des interruptions sont des interruptions endogènes, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient te perturber, ni Twitter qui vient te faire brûler, c'est toi, de toi-même, qui sort de ta concentration et qui va aller voir une vidéo de chat sur Internet, tu vois. Alors après, ce comportement d'interruption endogène, il vient aussi parce qu'à un moment, tu vois, tu as été entraîné à t'arrêter toutes les 2 secondes par des grosses entreprises américaines de la Silicon Valley. Mais tu as ton mot à dire, tu vois, la moitié, c'est quand même toi qui va avoir ton mail, c'est pas le mec qui vient vers toi. C'est good. Une question. Merci.